époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the Black Movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Mm-hmm. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Et bienvenue là dans ce super direct, vraiment de super là, qui va parler de toutes sortes de choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé avec cet accent là, mais ça existe. Nous sommes du coup en direct pour essayer de faire une discussion, non pas un débat, mais une discussion sur l'écologie citoyenne, sur l'utilité des marches pour le climat, sur l'utilité des pétitions. C'est une prolongation. Ah, je crois que Lorenzo est déjà là. Je attends de Lorenzo, peut-être ça va marcher. T'es sûr? On va voir. Est-ce que c'est en train de marcher? On va voir. Oui. Oui. Bravo. On a réussi. On a réussi. OK. Alors Lorenzo, corrige-moi si je me trompe, nous avons envie de se poser la question, est-ce que les États vont nous sauver? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se poser plein de questions ce soir. Déjà, on va se présenter. Vas-y. Ouais, moi je suis très content de faire cette discussion avec toi, qui n'est pas un débat parce que le but n'est pas de gagner forcément, mais de discussionner. Évidemment. Moi, je suis Lorenzo. Et je commence par moi. Ouais. Vas-y. Il se trouve qu'on est dans la même pièce en fait parce qu'on se connaît et on fait semblant de. Tu m'entends. Et moi je suis réalisateur vidéo, photographe et compositeur de musique. Et j'ai notamment lancé une chaîne YouTube qui s'appelle L'école du chat noir, où on fait de la vulgarisation de la pensée anarchiste, voilà, sous forme d'animation avec un chat, une chatte plutôt, et voilà. Et c'est très très beau. Voilà pour moi, merci. Moi j'adore ce que tu fais, et on s'est rencontrés à une présentation de nos tafs respectifs, et depuis c'est toujours riche en discussion de découvrir ce que le regard anarchiste que tu as su développer avec toutes les lectures et toute ton histoire aussi personnelle apporte par rapport à l'enjeu climatique, par rapport à la mobilisation, par rapport aux interlocuteurs qu'on choisit. Moi, c'est Vincent Verza, je fais des vidéos sur la chaîne YouTube Partager, c'est sympa, depuis presque 2 ans maintenant. Et avant ça, j'étais vidéaste activiste pour pas mal d'ONG environnementales. Et je produisais leurs vidéos de leurs actions, des mobilisations, des machins. Et donc, ça fait bien 4 ans maintenant que je suis dans ce jus militant écolo. Et c'est aussi avec ce regard-là, et en plus celui d'avoir suivi de très près les 2 dernières conférences sur le climat, la dernière étant à Katowice, que nous allons échanger, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, est-ce qu'on se pose la première question? Alors, d'abord, est-ce qu'on peut dire bonjour aux gens qui nous regardent cette vidéo? Nous sommes actuellement. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Que tout le monde peut commenter. Ah oui, absolument. Ouais. Et on regarde. Alors, c'est pas évident. Hein. On est sur nos téléphones, là. Si, les gens discutent, c'est très bien. Mais ouais,
Moi, je vais essayer de regarder tous les commentaires là, en direct. Et bah, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, mon cher. Mon cher, ouais. En fait, on a. On n'a pas un plan fermé avec un temps respecté, si ce n'est qu'on va faire deux vidéos d'une heure. Et en fait, vous pouvez poser des questions à tout moment et peut-être que ça peut nous faire rebondir sur nos échanges. Et ça peut même être intéressant. Voilà. Moi, ce que je vais commencer par dire, c'est que je ne représente aucune organisation. Moi, je me définis en tant qu'anarchiste, mais c'est vraiment juste une grille de lecture que j'ai. Je fais pas partie d'une organisation particulière. Voilà. Et je représente personne et j'ai aucun objectif de conquête du pouvoir ou autre. Et peut-être qu'on verra ça. D'ailleurs, c'est même tout le contraire. Et donc, en fait, je me sens plutôt comme un mec un peu comme tout le monde, ou en tout cas, voilà, moi, je suis artiste, je fais mes photos, ma musique, voilà. Et ce que j'aimerais qu'on définisse d'abord pour bien savoir de quoi on parle, c'est qu'est-ce qui n'est pas être anarchiste, c'est-à-dire, en gros, le mouvement écolo très mainstream et auquel parfois certains de tes projets ou des projets que tu accompagnes, en fait, font partie d'une idéologie, même si elle ne dit pas forcément son nom. Et tu vas te dévoiler à tout le monde l'idéologie qui ne dit pas son nom, c'est ça que tu es en train de faire, Lorenzo ? Je suis désolé, ouais. Et bon, c'est pas un secret, hein, ça s'appelle le citoyennisme. Voilà. Mais vraiment, le mot est transparent, puisque en fait, c'est le mouvement qui fait constamment appel aux citoyens, aux gestes citoyens, à la place dans les institutions. Le recours aux institutions, voter. Donc peut-être on peut commencer par définir ça. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits dans un État. Voilà, tout simplement, notamment un des droits qu'on considère comme le droit de citoyen, c'est le droit de vote, qui est un droit très, très critiquable pour plein de raisons. Mm-hmm. Et beaucoup de gens s'en rendent compte. Et d'ailleurs, de moins en moins de gens votent. Et à mon avis, ils ont raison. Et le citoyennisme, bah, c'est l'idéologie qui met le citoyen au cœur du renforcement de l'État et potentiellement un moyen de lutter contre le capitalisme. Ça, c'est ce que beaucoup de citoyennistes pensent et sûrement sincèrement. Et on n'est pas là pour juger les personnes, loin de là. Juste, on va voir si on ne peut pas critiquer un peu cette façon de penser et voir les limites, jusqu'où on peut aller et tout ça. Est-ce que je peux le définir dans mes termes, citoyennisme ? Ah, évidemment. C'est pas forcément d'ailleurs la définition consacrée, mais c'est la manière dont j'aborde les choses. Et je me suis longtemps reconnu là-dedans et ça a été un des axes effectivement de réflexion et de légitimité de mes actions. C'était de se dire, bon, je me rappelle pas quand j'ai signé, mais apparemment il y a un moment où j'ai accepté de déléguer mon pouvoir à des institutions. Et ces institutions me garantissent des droits et peuvent me demander des devoirs. Maintenant, du coup, c'est un peu en ce nom-là que je serai légitime et le mouvement climat serait légitime de demander des comptes à ces institutions en leur disant « voilà, vous faites pas ce qu'il faut faire ». Et que c'est en tant que citoyen français, en tant que individu faisant partie de cet État, qu'on peut aller demander à l'État et ses institutions d'agir, en l'occurrence pour le climat. Et du coup, la pensée qu'il y a derrière, c'est effectivement que dans un contexte démocratique, lorsque les citoyens s'expriment, ils sont écoutés par l'institution à qui ils ont délégué leur pouvoir. C'est comme ça que je définirais le citoyennisme. Ça te va ou pas ? Mais ouais, alors, et dans le citoyennisme, il y a une partie qui est écolo. Et il y a une partie qui n'est pas écolo ou qui ne l'est pas forcément. Ouais. Il y a des courants politiques qui sont citoyennistes. Mais là, on va parler ce soir surtout du citoyennisme écolo. Mais beaucoup des critiques, en fait, peuvent être étendues à tout ce qui est recours aux institutions, même si ça n'a rien à voir avec l'écologie, dans le sens où
Effectivement, on a l'impression qu'on se fiche de nous, qu'on n'est pas écouté, qu'on est mal représenté, et que c'est que quelque part nos institutions, en fait, les personnes qui sont en charge, qui ont été élues ou qui ont été nommées, elles font pas ce qu'elles sont censées faire. Ouais. Et ça, c'est une pensée citoyenniste et auquel, pour moi, auquel je suis étranger en fait. Parce que pour moi, il y a nulle part où les personnes élues en fait sont censées faire quelque chose. En fait, pour moi, c'est une vision complètement idéaliste et naïve auquel on aimerait bien s'attacher parce que ça voudrait dire qu'on a un vrai pouvoir légalement, que les institutions, il y a une bonne façon de s'en servir, une mauvaise façon, et la bonne façon, c'est comme ça que les pères de la République l'ont imaginé. Alors qu'en fait, ça, malheureusement, ça tient pas à l'analyse critique en regardant l'histoire, quand on regarde comment elles sont apparues. Et malheureusement, en fait, l'État, on a souvent l'impression qu'il est là pour nous sauver. Justement, ça va être le sujet de ce soir. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Mmh. C'est une pensée difficile à avoir parce que du coup on est un peu seul dans le sens où on pensait jusque là qu'il y avait les autorités et qu'en faisant ce qu'il faut c'est bon en fait si on aura la démocratie ou je sais pas quoi, mais ça c'est une pensée déjà assez récente dans l'histoire et puis on peut voir que il y a beaucoup beaucoup de critiques qui font qu'elle peut se dérober sous nos pieds. Très bien. Alors commençons notre discussion. J'ai fait un truc, j'ai cliqué sur les commentaires et depuis ils prennent vachement de place et je sais pas comment les réduire. Bon, c'est pas... Ah si, ça m'est joué. Ok. Est-ce que je peux donner un exemple de citoyennisme auquel j'ai contribué peut-être? Ouais, on a qu'à commencer par ça. Bon, très bien. Un exemple de citoyennisme auquel j'ai contribué à Lyon était de organiser une mobilisation qui avait pour interlocuteur la métropole de Lyon. C'était la deuxième marche pour le climat. Et c'était vraiment explicite que c'était notre interlocuteur parce qu'on a fait tout un cheminement de l'hôtel de ville jusqu'à la métropole. Ce qu'on a dit à ce moment-là, c'était de un que la métropole refusait de nous recevoir. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'attendait à être reçu, qu'on se sentait légitime pour être reçu. Et de deux que comme on était nombreux et comme on allait faire une action qui était de repeindre les murs de la métropole avec nos mains, la marquant de rouge, on allait la faire. Sursauter et lui faire prendre conscience que ce qu'on n'était pas là pour rigoler, que c'était vraiment important, qu'il fallait nous écouter. Et la demande principale était liée à la pollution de l'air, qui était de dire il y a un vrai enjeu de santé publique. Donc c'est un des droits on est légitime en tant que citoyen de réclamer, c'est que on ne meurt pas de manière prématurée pour des choses contre lesquelles le gouvernement pourrait nous protéger, ou en l'occurrence la maison, et en devoir de nous protéger, et que sur la base de cette demande-là, il y aurait des actions qui s'en suivraient assez rapidement, et qu'en toute logique, la métropole n'avait pas intérêt à nous laisser crever, et que si on disait qu'il y avait un problème et que c'était important, elle allait réagir. Bon, quand tu dis on est légitime à demander à l'institution, c'est pour moi c'est là tout le problème en fait, c'est que on est légitime à demander. Et c'est la métropole qui est légitime à faire. Ouais. Et pour moi, il faut reprendre en main en fait cette légitimité et dire nous on est légitime à faire. Et le citoyennisme, il s'engouffre là-dedans, c'est-à-dire il n'hésite pas. Et j'étais à cette marche avec toi évidemment. Mais l'idée c'est de faire une espèce de spectacle, de montrer qu'on est présent, qu'on est là, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens sont... Mais citoyens, en plus, c'est vraiment un terme vraiment qui englobe la population. C'est une vision fourre-tout de 99% de la population. Enfin, on ne sait même pas, sans analyser de quoi est composée cette population, et si elle n'a pas des intérêts divergents,
Et si, en fait, le cœur du problème serait pas que dans cette population, il y a des gens qui ont des intérêts divergents. Mais on y reviendra. Ce que je veux dire, c'est que tu cherches un interlocuteur et c'est exactement ça, en fait. Tu cherches toi-même à te poser en tant qu'interlocuteur, toi ou les organisations. Et le problème, c'est qu'en fait, jamais il y aura le pas franchi de faire soi-même. Que même si parfois il y a la désobéissance qui est revendiquée, elle n'est jamais dans un sens radical, dans le sens de réellement faire les choses, mais plutôt dans le sens, on va se mettre en scène en montrant qu'on est nombreux à être mobilisés, qu'on est nombreux à observer ce que va faire la métropole ou les élus ou n'importe qui, et qu'en dernier recours, c'est eux qui sont légitimes à le faire. On n'est pas à montrer qu'on est déterminé, que à créer des images que si par exemple la police vient nous réprimer, mais en dernier ressort, en fait, on ne critiquera jamais leur légitimité. Et pour moi, c'est ça tout le problème. C'est que pour moi, depuis longtemps, ils ont perdu la légitimité. Et en plus, ils n'ont pas la possibilité de faire autant qu'on voudrait, en fait. C'est juste pas possible. On leur demande l'impossible. Et nous, en fait, on essaie de montrer qu'on est là et ensuite d'essayer d'être les bons interlocuteurs, un peu le cul entre deux chaises. Pour moi, c'est une impasse. Justement, là-dessus, en fait, j'aime bien essayer d'imaginer de comprendre ce qui motive les êtres humains. Et souvent, c'est des récits, c'est la manière dont on se pense, dont on se raconte. Et en fait, je te rejoins totalement. Ce qui fait que on est dans une posture de demande, et parfois même, ça va jusque de la supplication. Tu vois, s'il vous plaît, occupez-vous de ça, sinon c'est terrible et vous devez vous en occuper. Eh ben, c'est parce qu'on a vraiment activement appris qu'on n'avait pas de pouvoir. Mais on l'a appris depuis l'école. On a rapidement compris qu'on est libre et égaux en droit, mais en fait, à partir de 18 ans, et à partir du moment où tu as 18 ans, bah, tu comprends assez rapidement que ton personne qui te domine au-dessus, c'est l'État, c'est les institutions. C'est le cas. Et voilà. Et du coup, à ce niveau-là, il y a aussi un récit d'impuissance qui est de se dire, en fait, moi, j'ai pas le budget de la métropole. Mmh. Donc, je peux avoir le pouvoir d'agir, disons, sur la pollution de l'air. Je peux avoir le pouvoir d'acheter peut-être une cinquantaine de masques et de les offrir aux enfants de l'école où je sais que le taux de pollution dépasse la norme. Mais je n'ai pas le pouvoir de interdire la moitié de la ville aux voitures, de réduire la vitesse, de fermer l'autoroute, tu vois. Donc, en fait, il y a pouvoir et pouvoir, parce que l'État, c'est donc le pouvoir, en fait, c'est notre pouvoir de toute façon qu'il monopolise. Il monopolise la force d'action collective. Mais la force d'action collective, on l'a, et on l'a sans l'État. C'est-à-dire que sans nous, de toute façon, l'État ne pourrait pas enseigner aux enfants, l'État ne pourrait pas soigner. C'est nous, en fait, qui faisons ça. C'est juste que l'État, lui, il a le pouvoir de monopoliser cette action collective et de décider où elle va. Ouais. En fait, si on n'a pas le pouvoir, en fait, c'est juste que légalement, il n'y a qu'une institution qui est légitime, en fait, pour dire que faire de la force collective. Mais cette force collective, c'est nous. Et on apprend à la mettre dans un entonnoir à travers les institutions, à travers le vote, et espérer que ça passe. Mais si on regarde de près les textes et l'histoire de nos institutions, de base, c'est pas ça, en fait, gouverner. Gouverner, c'est pas, essayer de savoir ce que tout le monde pense et de le faire, en fait. Parce que si c'était ça, les gens qui sont élus sur leur programme politique, ils auraient une obligation de respecter ce programme. Or, en fait, dans la Constitution, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quelqu'un qui propose un programme pour être élu, ça n'engage que ceux qui y croient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les institutions n'ont jamais été pensées pour que quelqu'un qui ait un programme, ensuite, il l'applique. C'est pas du tout ça, le but. Ouais. Le but, c'est juste qu'il ait une espèce de légitimité à faire ce qu'il veut de la force collective. Et tant qu'on on le laisse comme seul acteur légitime, c'est-à-dire en lui demandant de faire à notre place, eh ben il le conservera. Et si pour moi, il n'y a pas que les récits qui forment les individus, il y a aussi les intérêts, les constructions sociales, les rapports de classe. Ce que le citoyennisme, en fait, néglige complètement. Il est aveugle, par exemple, au patriarcat, à la domination homme-femme. Il met tout dans une même enveloppe. Les citoyens,
Et en face, il y aurait quelques élus, éventuellement la finance, des multinationales, l'étranger, enfin l'étranger dans le sens l'impérialisme américain ou je sais pas quoi. Enfin, tout ça est confus et tout ça en fait est très éloigné de ce qu'est la réalité des choses, ce qui fait que le capitalisme en fait c'est pas seulement quelques banques qui quelques méchants au sommet, en fait c'est le capitalisme, on est tous liés à ça, en fait c'est des rapports de domination qu'on a intégrés, qu'on a l'impression que c'est naturel en fait tellement on les a intégrés. Et le problème du citoyennisme, c'est que il est absolument aveugle aux intérêts divergents de classe entre patrons et employés, entre femmes et hommes qui sont dominés par les hommes, entre racisés, non racisés, entre valides et invalides, parce que ils sont tous citoyens, ils ont tous le même intérêt général. C'est une des critiques. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que ça, c'est du coup, je pense, dans la théorie de ce qui est la définition du citoyennisme. Mais moi, on m'a beaucoup renvoyé que je n'étais pas citoyen dans l'organisation des marches pour le climat. Il y a ceux qui disent « nous, on est là en tant que citoyen ouais. ». Et toi, si tu es dans une ONG, toi, si tu es dans un collectif, toi, si tu es machin, vous n'avez pas la même légitimité que nous parce que nous, on est les citoyens. Et du coup, nous, on se mobilise pour le climat, c'est les citoyens pour le climat. Et en fait, c'est très marrant parce que du coup, on a dû… presque défendre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on a dû presque défendre, mais en fait on est tous citoyens et du coup on est tous légitimes de d'agir en tant que citoyens pour le climat. Dire moi je suis pas, si j'ai un patron, je suis pas le même citoyen que mon patron. Si je suis un homme, je suis pas le même citoyen qu'une femme. Si je suis blanc et je suis blanc, oui. Je suis pas le même citoyen. Voilà, on est tous des citoyens, mais dans la réalité peut-être on a les mêmes droits en tant que citoyens et c'est ça qui nous regroupe. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de voter. Mais dans la réalité, il y a des différences qui sont que juste on va pas juste en se mettant une étiquette et en disant on est tous pour la liberté et l'égalité, on va pas annuler et d'un coup faire que les conditions matérielles d'existence des femmes seront d'un coup égales à celles des hommes, des ouais. Noirs et des Arabes égales à celles des Blancs. Et tout ça, malheureusement, est un point aveugle du citoyennisme, même avec les plus belles intentions. C'est-à-dire que c'est dans son idéologie, en fait. Et quand tu me dis, on t'a appris à te dire que toi, t'es citoyen ou t'es pas citoyen, qu'est-ce que tu... On m'a pas appris. C'était un des enjeux dans l'organisation des marches de savoir quelle était la légitimité de chacun à proposer ou à mettre en branle l'organisation des marches. Et un des points qui était soulevé, c'est ceux qui sont légitimes pour le faire, ce sont les citoyens. Mmh. Et les associations sont déjà des structures politiques qui sont du coup moins légitimes. Mais pour revenir à l'exemple, c'est une coquille vide. Ouais, pour moi, c'est une coquille vide. Ok. Mais pour revenir à la question du pouvoir, parce que je trouve qu'elle est super intéressante. D'ailleurs, c'est une des questions qui a été posée. C'est ok. Bah, comment on s'organise du coup comment on fait sans l'État? Et j'ai vu ouais, une question. Comment on s'organise sans État? Ouais. Si on prend l'exemple de la pollution de l'air, qui représente des travaux gigantesques. Tu vois, j'arrive parfaitement à imaginer. Que la pollution de l'air, bah, c'est d'abord un gros enjeu de mobilité et que du coup, un des trucs qu'on peut faire nous-mêmes, c'est marquer, peindre les pistes cyclables. C'est un des trucs que j'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos. Bon, bah, on crée la réalité, on peint les pistes cyclables. Mais effectivement, c'est plus compliqué d'imaginer se ramener à 100 citoyens qui ont décidé que le pouvoir, c'est eux qui l'avaient et qu'ils arrêteraient de le déléguer. Avec des trucs comme ça et qu'on défonce l'autoroute, tu vois. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Papache, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors. En fait, cette question, elle est à l'envers. En fait, la question de comment on s'organise sans État. Il faut d'abord voir pourquoi en fait déjà on arrive à cette situation qui est historique et qui est un des stades avancés du capitalisme. Pourquoi la pollution, elle est intrinsèquement liée au capitalisme. En fait, c'est pas un symptôme, c'est la conséquence normale et inévitable. Et que même, et ça, on est d'accord sur ça, et on peut critiquer, on est prêt, la campagne, on est prêt, les petits gestes, on sait très bien, toi et moi, que ça va pas régler le fond du problème. Mais le capitalisme, en fait, je sais que c'est difficile à imaginer quand on est baigné du citoyennisme, mais il est lié à l'État. C'est-à-dire que c'est pas une chose différente.
plein de choses que l'État, avec plus d'État, on pourrait lutter contre le capitalisme, en fait. Est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce que le capitalisme est lié à l'État, selon toi? En fait, ils sont nés ensemble. Les États modernes sont nés avec le capitalisme, en fait. Ils ont aidé à administrer le capitalisme à des populations qui n'en voulaient pas, qui ont tout fait pour résister. Et j'ai pris plein de notes, là, pour faire tout ça, toute cette discussion. Je pourrais citer ce que j'ai écrit sur le lien entre État et capital. Vas-y. C'est assez court. Vas-y. Donc, pour le citoyennisme, l'État serait un outil neutre, conçu comme une communauté parasitée par le capital, lequel viendrait s'intercaler entre les citoyens usagers de l'État. Entre les citoyens usagers et l'État. Jusque-là, ça ouais. va ouais. ouais. Pourtant, rien n'oppose la logique de l'État à celle du capital. En fait, l'État, et là, je vais citer un bouquin que j'aime bien, d'ailleurs, que je conseille de lire, il est court, il s'appelle « Le Libérons-nous du travail ». Ah, mais c'est à l'envers, regarde ça, voilà. Libérons-nous du travail du Comité érotique révolutionnaire, donc de 2016. L'État est effectivement une prison, ou plutôt l'administration pénitentiaire du camp de travail national. Chaque État doit faire travailler ses sujets au nom de l'économie nationale, de sa grandeur et de sa compétitivité, tantôt au moyen du dialogue social, tantôt à coups de matraque et de gaz lacrymo. L'État a ainsi joué un rôle important dans l'émergence du travail et de l'économie, en obligeant à une commercialisation croissante des produits paysans, avec ses impôts croissants, en organisant des workhouses, c'était en Angleterre, en présidant aux expropriations de paysans au XVIIIe siècle, en interdisant l'accès aux forêts et ses ressources, en réprimant l'ensemble des soulèvements anti-travail, etc., parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. L'État n'est en réalité qu'un jumeau de l'économie, l'autre face d'une même pièce. Son serviteur en même temps que son cavalier. Ça, pour deux raisons, en fait. L'État a besoin de l'économie, donc économie, si tu veux, on l'appelle économie, travail, travail-marchandise, capitalisme, c'est tout la même chose. L'État a besoin de l'économie et de son argent pour financer son armée, sa police, ses dirigeants et sa bureaucratie. Donc l'État a besoin du capitalisme. Et le capitalisme, lui, a besoin de l'État. Parce que pour garantir ces contrats, parce qu'il faut bien qu'il y ait une police, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à qui on fait confiance en général pour résoudre les contrats, pour les propriétés, pour les marchandises, et pour exploiter les gens et pour les mettre au boulot, et surtout pour faire tout ce qu'eux, ils ne savent pas faire, c'est-à-dire les trains pour que ça roule convenablement, pour les écoles, parce que pour tous les trucs qui ne sont pas rentables, en fait, le capitalisme a besoin de l'État pour faire tous les trucs pour que demain, on ait des travailleurs et des travailleuses nombreux et éduqués. Et les deux, en fait, les deux sont liés. Voilà, ça c'était pour répondre à la question en quoi capitalisme et État sont liés. En fait, le truc c'est que pour lever des impôts, en fait, l'État a besoin du capitalisme, c'est-à-dire qu'il a besoin que des patrons mettent au boulot des gens et extraient une plus-value pour financer son armée et tout son arsenal. Et en fait, sortir du capitalisme avec l'État, ça voudrait dire que l'État, en fait, s'autodétruit, ce qu'il ne fera jamais. Ça n'est jamais arrivé, qu'une institution s'autodétruise. Et ralentir la croissance, ce serait ralentir, c'est-à-dire ce serait baisser, en fait, l'argent qui vient dans les caisses de l'État, ce qui ferait disparaître l'État, une autre chose qui est impossible, en fait. Mais d'ailleurs, on l'observe, c'est un des trucs que j'ai ramené de la COP, c'est que c'est un non-pensé qu'il n'y ait pas de croissance. En fait, il y a des initiatives écologiques dont on discute qui pourraient amener à un ralentissement, mais en fait, on les met très rapidement de côté et on privilégie des solutions du marché qui vont vers du toujours plus, en fait. On n'arrive pas à penser le moins. Parce que c'est pas possible, c'est la logique du capital et la fuite en avant. On essaie de chercher comment est-ce qu'on pourrait continuer à croître tout en étant le moins destructeur de l'environnement. Mais j'ai vu une conférence dernièrement, d'ailleurs, que tu m'avais conseillé, qui était intéressante à ce niveau-là. Elle faisait remarquer que, du coup, le capitalisme a besoin de fabriquer des marchandises, et c'est le cœur de notre société. On a construit une société qui facilite les échanges des marchandises, et les États qui sont le garant de ça au niveau national ont construit une autre société, qui est la société des États, qui a pour objectif de faciliter l'échange des marchandises entre eux.
Et c'est assez intéressant de se dire, bah, effectivement, pour fabriquer des marchandises, il faut forcément extraire, il faut forcément créer quelque chose, en fait, fabriquer, sortir. Exploiter. Et Il faut exploiter, en faut fait. exploiter des gens, il faut travailler du travail vivant et du travail et la nature. Et la nature, exactement. Et que du coup, fondamentalement, on n'arrive pas à se sortir de ça. Et c'est un truc qui est super marrant parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook et qui me parlent de leurs nouveaux projets, de leurs trucs et tout, hyper écolo. Et à chaque fois, le test que je leur fais passer, c'est est-ce qu'on peut se passer de ce que tu proposes? Et oui, dans tous les cas, comme ils sont en train d'arriver avec une nouvelle proposition, c'est toujours des trucs dont on peut se passer, en fait. Tu vois, par exemple, ils vont proposer je sais pas, ça m'est pas arrivé, mais ils pourraient proposer un nouveau portable qui est plus écologique. Et moi, je leur fais remarquer, oui, mais il est toujours moins écologique que de pas acheter un nouveau Un portable. portable, ouais. Bah ouais, Évidemment. mais c'est Mais oui, impensable. évidemment, C'est pas possible. Ils disent oui, mais bon, voilà. Par exemple, si, si, il y a une marque je comprends. S'ils une aiment marque pas de ça. skateboard électrique qui est venue me voir et qui m'a dit, ouais, mais mec, c'était incroyable. C'était génial cet échange parce qu'il me disait, mais tiens, le skateboard électrique, c'est trop bien parce que du coup, ça te fait pas prendre ta voiture. Je dis Oui. oui, mais tu peux faire du vélo, tu vois, par exemple. Il m'a dit, oui, mais il y a des gens, ils font pas du vélo. Je suis là, mais d'accord, mais il devrait, tu vois, en fait. Donc, moi, ton skateboard, j'en veux pas. Oui, Et en alors, fait, voilà, mais il j'en. devrait, attention, parce que là, on parle entre Non, nous, tout ça. il Effectivement, pourrait, il les gens pourrait. ne peuvent pas, parce que le truc, c'est qu'il faut aller travailler pour manger, parce qu'il n'y a plus d'espace disponible pour vivre sur cette planète sans mode de production capitaliste. On est Donc, d'accord. il faut bien qu'ils aillent travailler pour acheter de quoi manger et de quoi vivre. Et parfois, certains ont besoin d'une voiture parce que le territoire a été aménagé de telle façon. Donc, Mais on n'est oui. pas là du tout pour juger T'as le raison, t'as raison. comportement individuel. Parce que la solution, elle n'est pas là, en Non. fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que typiquement, le type de transport qui mettait en avant, c'était dans des villes. Et moi, dans des villes, le transport privilégié, c'est le transport en commun. Et clairement pas un transport avec une batterie qui est nécessairement fabriqué avec des trucs pourris dedans, tu vois. Et il me Ouais. disait, mais c'est vrai, oui, il y a des trucs pourris, mais bon, c'est moins pourri que plein d'autres trucs que les gens utilisent. Et ce C'est qui est vrai. génial, c'est qu'à la fin de cet échange, il m'a dit, putain, je crois que je vais quitter mon boulot. C'est génial parce qu'en fait, ce qui était trop beau, c'est que lui, il vivait vraiment son travail comme étant un travail qui allait dans le sens de l'écologie, qui allait dans le sens du mieux. Et le moment où je lui ai fait réaliser que du coup, il créait un besoin, créait un marché là où il n'y en avait pas encore et là où il n'y en avait en l'occurrence pas besoin, et que si on était sérieux par rapport à l'urgence climatique, on n'irait pas vers plus de skateboard électrique, mais plus de transport en commun gratuit C'est le et... capitalisme. Hein? C'est le capitalisme. Essayer d'investir des nouveaux marchés, de créer des besoins, c'est le capitalisme. C'est le Voilà. cap Depuis 40 ans, c'est le Exactement. capitalisme, parce que ça fait très longtemps que le capitalisme ne répond plus aux besoins. Parce qu'une fois qu'il a répondu aux besoins, il est rentré en crise, en fait. Il est rentré en dépression. Et il est obligé de créer des nouveaux besoins, en fait, parce que sinon, les marchés sont saturés. Au bout d'un moment, les gens, c'est bon, ils ont les marchandises, ils n'achètent plus. Donc s'ils n'achètent plus, bah, comment on vend la marchandise? Tout le monde, tout fait faillite. Le capitalisme ne peut pas fonctionner sans créer des nouveaux besoins constants. Et que ce soit des grandes entreprises ou des gens souvent plein de bonnes intentions, bien intentionnés, imaginatifs, en fait, et ils font que, ils sont des espèces de colons défrichent des nouveaux territoires possibles pour un peu de capitalisme, un peu de nouveaux profits, jusqu'à ce que, ça aussi, ce soit mort et qu'on passe encore à autre chose. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme l'a bien compris, il n'y a plus moyen de conquérir des nouveaux territoires, parce que déjà, il est sur toute la planète. Il a amélioré les chaînes de production au cours du dernier siècle de façon extraordinaire. Puis avec la troisième révolution industrielle, donc celle des télécommunications, il est devenu ultra efficient, ce qui fait qu'il a de moins en moins besoin de nous, en fait. Le capitalisme a de moins en moins besoin de nous pour produire la marchandise. Par contre, il a besoin de nous pour l'acheter.
Et c'est une de ses contradictions fondamentales qu'il a depuis le début, mais il les repousse, en fait. Il les repousse de plus en plus. Il arrive à un moment où il ne peut plus. C'est-à-dire que maintenant, il arrive à un moment où il est obligé de détruire ce qu'on appelait le compromis fordiste. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer là-dedans, peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai vu passer un commentaire en disant « Oui, mais l'État, il ne fait pas que l'armée et la police, il fait aussi deux trucs. » Oui, mais d'ailleurs, il a été obligé de faire des trucs pour nous pousser à travailler, pour nous pousser à abandonner nos anciens modes de vie, que ce soit par la force ou par des avantages, en fait. Par exemple, il y a eu la sécurité sociale, la limitation du temps de travail, la retraite, tout ce genre de choses. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, maintenant que de toute façon le capitalisme a conquis la planète, qu'il a changé tout notre mode de vie, qu'on ne peut plus vivre sans ça, il n'y a plus moyen de tirer du profit nulle part, à part de casser ce qui était le compromis fordiste, et donc de casser les retraites, casser la sécurité sociale, casser l'enseignement, casser toutes ces choses. Et c'est la seule perspective qui nous reste, en fait, si on continue là-dedans. Et c'est pour ça que il y a trois options, en fait. L'option on s'en fout, on fait notre vie dans ce système en disant moi je suis cynique, je m'en fous, je vais essayer de marcher sur les autres. Et bon, c'est un faux bonheur, hein, un bonheur de courte durée, parce que de toute façon, au final, tout le monde perd, tout le monde meurt. Très bientôt, tout le monde souffre. J'ai la deuxième option. La deuxième option, elle est. C'est quoi la deuxième option? Moi, je l'ai, c'est le citoyennisme, c'est que tu fais la demande aux institutions, ouais, multinationales et aux États de se réformer, de corriger leurs actions destructrices. Ouais. Et le problème de ça, c'est que si tu te rends compte qu'en fait ces institutions elles ne peuvent pas changer et que toi tu veux pas rentrer en conflit avec elles, tu te dis que le seul moyen de régler ça, c'est de se tuer, en fait, c'est le suicide. C'est aussi pour ça que c'est très dangereux, en fait, que tu dis. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas le faire, parce qu'en fait il y a une troisième option qui est dépasser tout ça, et que ce soit de façon pacifiste ou pas du tout pacifiste, parce que la non-violence protège l'État aussi, dépasser en fait les lois, arrêter de fétichiser la légalité absolue, arrêter de penser que l'État et nos institutions sont les seuls acteurs légitimes. Nous sommes les acteurs légitimes et on a beaucoup, beaucoup de boulot devant nous, et voilà, et c'est de le faire nous-mêmes. Il y a une question qui est pertinente, c'est comment le capitalisme compte prospérer s'il appauvrit tout le monde. En fait, il faut comprendre qu'il a, c'est pas une machine qui peut s'arrêter, en fait. Elle a besoin de toujours plus. Et qui peut réfléchir, elle peut pas réfléchir non plus, ouais. Elle peut pas réfléchir, c'est ça. Elle va juste en avant. Et du coup, la seule stratégie de prospérer, c'est de prospérer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et lorsqu'il n'y a plus rien, elle s'effondre. Mais c'est vraiment ça, tout doucement, en fait. Ça passe s'effondrer d'un coup. C'est-à-dire que très lentement, il va petit à petit nous réduire en esclavage de plus en plus. Et jusqu'à ce que ce soit insupportable, mais on va certainement pas attendre ce moment-là. Surtout que de toute façon, vu l'effondrement écologique qui arrive, de toute façon, ça va se péter la gueule avant. Mais c'est pas dit que, ça sert à rien de l'attendre les bras croisés, que tout arrive malgré nous, parce que le capitalisme a bien su se restructurer au fil des époques, et d'attendre que tout va péter magiquement, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Cette destruction, il faut y participer activement, en fait, parce que sinon la situation peut dégénérer sur des générations et des générations, jusqu'à basculer dans un esclavage démesuré et des conditions de vie horribles, en fait. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile au capitalisme de dégager ce qu'on appelle de la croissance, donc de la plus-value, parce qu'il ne peut plus, en fait, à moins de casser les retraites, à moins de remettre les enfants au boulot. Voilà, c'est ce genre de choses qui va avoir. Mais même remettre les enfants au boulot, tu vois, c'est même pas un truc qui arrivera ici, puisque en fait le problème, c'est que les enfants sont inutiles par rapport aux robots. En fait, l'économie ne veut plus de nous. Et l'économie nous tue parce qu'elle ne veut pas nous donner de quoi survivre. Et en fait, il faut se débarrasser d'elle avant qu'elle se débarrasse de nous. On a un peu digressé, hein, je crois. On a, ouais.
Bon, en effet, moi j'avais des notes quand même. J'avais des notes extrêmement précises, monsieur. Extrêmement précises. Il y a quelqu'un qui d'ailleurs appelle ça la baisse tendancielle du taux de profit. Et il a complètement raison, cette personne a complètement raison. Bravo. Bravo. Un point pour vous. Bravo. Nous, on avait envie de savoir, c'est un truc qu'on a un tout petit peu touché, mais dans la stratégie évidente du citoyennisme, comme elle est dans la confiance que les institutions vont répondre, c'est des stratégies qu'on appelle d'expression politique. C'est exprimer son désaccord, son dégoût, sa colère, et que cette expression seule va permettre de mettre en branle l'institution qui a, elle, a le pouvoir et qu'on demande d'agir. Et c'est un truc qu'on a un tout petit peu touché. Mais d'abord, juste pour aller au bout de l'histoire de la métropole n'a pas cédé à nos demandes de rendez-vous. Donc, d'abord, elle a rien donné revendication concrète, sachant qu'il y en avait. Hein. Mm-hmm. Et elle n'a pas voulu entrer en dialogue. Et le dialogue qui s'est établi depuis, après la quatrième marche, aboutit pour le moment à à des conclusions qu'on avait déjà il y a un an. Il y a un an déjà, il me disait la même chose, à savoir pas de soucis, tranquillou, pépouze, la solution technologique arrive, les moteurs vont être de moins en moins polluants, non, mais le truc d'ailleurs qui est très très propre au capitalisme, c'est que comme c'est forcément dans un horizon de marchandises, la solution vient forcément de nouvelles marchandises. Surtout, on ne peut pas inventer de solution qui viendrait à faire moins. Non, mais, En fait, c'est pas du tout simple d'être en paix avec ça, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit, dans lesquelles on avait l'espoir et la confiance, pour lesquelles c'est plus difficile. Et ça veut dire changer pas mal de trucs. Et un des trucs à changer qui, moi, m'inspire beaucoup et auquel je réfléchis à mort ces temps-ci, c'est passer de l'expression politique, on connaît bien, hein, les pétitions, les marches, le lobbying, l'expression. Je suis en colère, je vais dans la rue. Bon, je n'ai pas agi politiquement, je me suis exprimé. Et de l'autre côté, il est possible d'envisager une action politique. Il y a déjà plein d'exemples. Mais avant, il faut bien comprendre que l'expression politique, et d'ailleurs, c'est le problème, et en fait, c'est même le truc qui laisse un peu les citoyennistes... pantois, comme on dit, c'est mais je comprends pas. On s'est exprimé. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et en fait, oui, c'est non, pas... ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Les plus sincères, oui, ils seront éternellement surpris. Mais il y a vraiment le truc aussi auquel je suis quotidiennement confronté, c'est que souvent on pense que si ils ne nous écoutent pas, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais oui, et évidemment, que si on est plus nombreux. Et puis quoi? Et puis du coup, bah, s'il y a les fameux 99% qui sont dans la rue, là, ça y est, je sais pas qui va faire je sais pas quoi. Mais non. Non, mais... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais non. Mais non. Parce qu'en plus, tu sais très bien que les mouvements citoyennistes n'ont pas envie de faire un vrai rapport de force, dans le sens où les gens, comme dans tous les mouvements autonomes, par exemple, cassent, construisent, font eux-mêmes les choses. Non, c'est en dernier recours être l'interlocuteur privilégié, le conseiller du prince. Dans ce sens-là, de toute façon, c'est l'État qui fait ce qu'il veut et il fera semblant d'écouter parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'a pas le choix de faire ce qu'il fait. Voilà, il n'a pas le choix. D'ailleurs, la France est en retard sur les autres pays par rapport à l'avancement du capitalisme parce que... Parce qu'en fait, en France, on avait encore des conventions collectives, la sécurité sociale, tout ça, et bah, la loi travail fait partie des choses qui sont pour attraper un peu le retard que les autres pays avaient sur leur avancement du capitalisme et pour pouvoir générer des profits en France autant que dans d'autres pays, en fait. Ça a commencé dans les années 90 avec les retraites, les réformes des retraites. Là, on a eu la crise financière où clairement, voilà, on voit que on prend dans nos poches pour rembourser les banques. Il y a la loi travail. Et du coup, en fait, c'est ça aussi qui permet l'émergence d'un citoyennisme assez récent, en fait. Parce que comme les États
les gouvernements, le personnel politique, la classe politique qui se succède, soit tantôt de gauche ou de droite, enfin, ou ni de gauche ni de droite, n'ont pas le choix, en fait, de faire la même chose, c'est-à-dire administrer le capitalisme à des personnes qui n'en ont pas envie. Mmh. Et comme ça passe pas, comme il y a une crise de légitimité politique, ils sont obligés de nous les appliquer avec la police, la sécurité, énormément de contrôle, énormément de répression, une répression qui autoritaire, quoi, qui monte de plus en plus. Et plus ça monte, plus nous, on se dit, mais en fait, ces gens, ils sont, enfin, leur légitimité décroît en fait au fur et à mesure qu'ils utilisent ce qu'il faut pour nous administrer ce qu'ils doivent faire et dont nous, on n'a pas envie. Voilà la situation un peu bordélique dans laquelle on est. Mmh. Mais maintenant, on peut regarder en face ce qui ne marche pas, ou alors on fera toujours les éternels surpris et on ne sortira pas de cette histoire. Et clairement, moi, j'attends qu'une chose, c'est que l'affaire du siècle, dont on va peut-être pouvoir parler, ne fonctionne pas, mais surtout que toutes les personnes qui en ont fait la promotion se disent mais mince, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Et que, s'il vous plaît, là, il y a 2 millions de signatures à la pétition, qu'on ne se dise pas « Ah, c'est qu'on n'est pas assez nombreux !» Bah oui, tant qu'il n'y a pas toute la terre entière qui signe pas la pétition, on n'est pas assez nombreux. Mais ça marche pas comme ça. Et j'aimerais bien que les personnes qui ont participé à ça, de bonne foi, elles se posent la question. Mais en fait, pourquoi ça a pas marché en fait ? On y croyait. En fait, l'espoir est mort. Comme tu disais dans ta vidéo, l'espoir est mort. Ben peut-être qu'on se garde ce morceau-là pour la deuxième heure. Si, ouais, ouais. Ouais. J'aimerais bien revenir. C'est hyper intéressant. Il y a plein de gens qui se demandent du coup, toi Lorenzo, qui ne fais pas confiance aux États pour nous sauver visiblement. Comment t'aimerais qu'il se passe ? Il y a des gens qui me disent ouais, t'es critique et tu proposes pas d'alternative. T'as rien à dire, mec. Comme si la critique n'était déjà pas en fait une alternative en fait, c'est-à-dire de dire pourquoi il faut arrêter de faire ça. Ouais, moi c'est un des trucs que j'adore. En tout cas, c'est mon pain quotidien. C'est vraiment me racler la tête contre le mur là, comme ça. Bah ouais, vraiment. C'est vrai. Et comme dans, ça, dans je des me livres. Dis, qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est ça. Ça me permet de voir qu'est-ce que de refaire des choix en fait, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai envie de changer ? Est-ce que j'ai envie de bifurquer ? Est-ce que ce en quoi je crois, si je le pousse, ça permet quelque chose ? Et putain, c'est clair que si on se posait ces questions là. Il y a pas mal d'énergie qu'on économiserait parce qu'on réaliserait que ce vers quoi on va ne nous amène pas là où on veut. Alors après, la nuance qui est faite. Et toutes les actions ne sont pas bonnes à prendre parce que si elles nous mènent nulle part, vu l'urgence, on n'a pas le droit de se tromper en fait. Voilà. Donc c'est dangereux de faire le mauvais truc. C'est vrai que au regard de l'urgence, il y a d'abord on devrait être en train de paniquer. Or du coup, quand on vous propose des trucs à faire qui sont pas dans ce niveau-là, tu vois, il y a pas mal de trucs qui sont en train de se monter, qui sont à un horizon de 5 ans, 10 ans et tout. Et en fait, c'est ouf de se dire tiens, c'est dans 5 ans qu'on prévoit d'agir, tu vois. En fait, on rentre dans la même temporalité. C'est pas bon. C'est toi-même. Mais d'ailleurs, ici et maintenant, la révolution, c'est pas dans 5 ans ou je sais pas quoi. Mais justement, c'est un des points importants à comprendre sur le citoyennisme, c'est que quand on est citoyen, du coup, notre interlocuteur est l'État ou la métropole, par exemple. Et du coup, de fait, on rentre dans l'agenda et le cadre de cette institution. Mmh. Très concrètement, ça veut dire que la lutte que tu vas mener en tant que citoyen, c'est pas toi qui donne le rythme et le temps politique, c'est l'institution. Bien sûr. Un exemple très concret, c'est les COP. Les COP, il y en a une par an. L'accord de Paris, c'était en 2015. Le rulebook de comment on l'applique, c'était cette année. Donc, en fait, là, l'État, il fixe un rythme extrêmement lent d'action politique. Et encore, c'est même pas d'action. Là, on n'est pas à l'action. On a juste dit comment on va agir. Donc, et du coup, si tu orientes ta lutte pour le climat dans cet agenda-là,
bah, t'es sûr que tu vas te retrouver dans 15 ans, à peu près, pas beaucoup plus loin que là où t'en es maintenant, parce que. C'est le but des COP, j'ai envie de dire, c'est le but des COP. Puisqu'elles sont à l'origine des États, en fait, et que les États ont payé point lié avec le capitalisme, faut pas attendre d'autre chose des COP que de ménager le capitalisme, de ménager la situation actuelle, pour que rien ne change, pour que le système puisse continuer. C'est-à-dire, on a des gros problèmes, on a des urgences. Comment on fait pour qu'on puisse continuer comme avant en changeant deux, trois trucs? Les COP sont là pour ça et pour donner l'impression qu'il se passe des trucs en plus. Ouais, c'est la recherche de comment. En fait, c'est parce que voilà, le capitalisme se renforce des choses qui ne l'abat pas. Et donc, il s'est nourri de toutes les contestations à ce jour. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'aux États-Unis, on a aussi Martin Luther King qui est élevé au rang de héros américain. Mais pas avant d'avoir lessivé une bonne partie du discours radical qu'il portait. Comme ça, on se nourrit vraiment de ça et ça construit la force. Dont la non-violence. Voilà. Mais du coup, un exemple très concret de ça au niveau des COP et du climat, c'est que quand tu orientes ta lutte, quand tu inscris ta lutte contre le dérèglement climatique au sein des COP, du coup, de fait, le cadre est celui du paragraphe. L'enjeu de ta lutte est le mot, la phrase, et c'est ce pourquoi tu te bats. Alors, de fait, après, tu peux, comment dire, remporter des victoires. C'est-à-dire que tu peux avoir un paragraphe qui est plutôt cool. Mais le temps et l'énergie que ça t'a pris, et même la quantité de fric, parce qu'il faut se déplacer partout. Et c'est quoi que tu appelles une victoire? C'est quand tu as eu l'impression d'avoir été entendu. Voilà, quand tu as eu une phrase qui est apparue. Et ce qui est génial, en fait, c'est génial et c'est tragique en même temps, c'est que on voit que moi j'ai vu ça de très près vu que je travaillais aussi à un moment à l'ONU à Genève. Quand tu remportes quelque chose qui est suffisamment radical pour poser un problème, tu peux être sûr qu'il va disparaître dans pas très longtemps. Et on en est arrivé à un truc assez étrange où par exemple là dans ma dernière vidéo, on peut voir que la mention des droits humains dans l'application des mesures écologiques a disparu. Ça veut dire qu'on peut maintenant, en appliquant l'accord de Paris, déplacer des populations qui sont donc, enfin, violer les droits humains, vu que c'est plus expressément dit que le critère déterminant c'est de pas violer les droits humains. Maintenant, c'est prendre la mesure de situation contextuelle. Je sais plus quel exactement est le mot, mais alors que ça avait été gagné à l'accord de Paris, il y avait la mention. C'est leur petit jeu, ils changeront les termes du contrat à chaque fois, puisqu'ils sont les seuls à l'écrire le contrat, en fait. Donc, voilà. Ils les rechangeront autant que c'est possible. Et de toute façon, le seul truc qui peut faire changer, c'est les luttes. Les luttes concrètes. Les luttes. Donnons un exemple de ça, parce que c'était la question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a un peu mentionné la différence entre... on s'est arrêté au milieu. Putain, on n'arrête pas de digresser. C'est lié. C'est tout complètement lié. Expression politique. En plus, là, attention, il nous reste moins de 10 minutes pour la première partie. Ça va couper automatiquement au bout d'une heure. OK. Après, j'espère qu'on va pouvoir lire les commentaires, en fait, parce que je vois qu'il y a plein de questions qui peuvent être intéressantes. Ouais. Si on y a accès en deuxième partie, on essaiera de répondre à certaines. Vas-y, mais je te laisse faire, mais ça change, il reste encore 5 minutes. Du coup, des exemples d'action politique, c'est plutôt que de faire une pétition contre les produits de Monsanto, tu peux les repérer, les nommer et aller enlever tous les bouchons de ces produits de manière à ce qu'ils ne puissent plus se vendre. C'est une action directe. Ou casser l'usine. Voilà, si tu veux que l'État protège les migrants, tu peux soit faire une pétition, soit réquisitionner des bâtiments d'État pour y accueillir des migrants. Si tu veux que ou les gens arrêtent envie de n'importe quel bâtiment. Si tu veux que les gens arrêtent de mourir dans la Méditerranée, bah tu affrètes un bateau comme a fait l'Aquarius. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette modalité-là, l'action politique, c'est celle qui fait irruption, c'est celle qui crée un espèce de what the fuck, attends, c'est pas mon agenda ça, c'est pas mon tempo politique auprès de nos institutions, et c'est souvent ça qui fait avancer les choses et qui crée le plus de rupture en fait dans le schéma habituel et que les structures savent gérer très très facilement. Mais c'est là qu'on a fait attention, c'est-à-dire que est-ce qu'on attend qu'en fait
il y a une loi ou je sais pas quoi, ou non, concrètement, on change le réel, c'est-à-dire qu'on passe à l'action, on n'est pas là à essayer d'attirer l'attention pour que l'État, parce qu'on sait qu'il pourra pas, on sait que comme c'est un camp de travail national, il y a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui soient de seconde zone, qui soient non citoyens, qui soient exploités d'une façon abominable, qu'il y ait une division, que l'État et donc le capitalisme ont besoin d'une division hiérarchisée de la société entre hommes et femmes, entre races, entre valides et non valides, entre tout ce que tu veux, patron, employé. Et en fait, là, je vais sûrement pas continuer parce que sinon, on va partir dans 30 minutes. Ok, dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, parce que je vois beaucoup de gens qui disent on fait quoi. Nous, on va faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. 10 minutes, un quart d'heure, enfin, on revient. Oh, non, 2 minutes même. Et on dira, on donnera des pistes de trucs à faire parce que visiblement, c'est la question que je vois apparaître là beaucoup, beaucoup. On fait quoi? Mais on parlera de l'affaire du siècle, non, peut-être dans la deuxième partie. Ouais, on en parlera aussi, ouais. Voilà. Ah, deuxième partie de ce direct. Lorenzo est ici. Bon, je vais quand même faire mon split screen là-bas. Ouais, vas-y. Alors du coup, on attend que Lorenzo. Attends. Que Lorenzo, il vienne se joindre dans le split screen. Et à ce moment-là, on enchaînera. Et dans cette deuxième partie, nous allons donc parler de l'affaire du siècle et de plein d'autres trucs qui revenaient énormément. C'était la question de « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ? Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ? Merde alors ! Hein, Lorenzo ? Si on peut plus mettre voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Lorenzo ? Ouais. D'abord, je vais fermer ma porte. Bah oui, fais ça, tiens. Donc on accueille Hugo, Fanette, toutes les belles personnes qui nous rejoignent actuellement. Merci d'avoir fait la transition dans cette deuxième partie. J'espère que votre pause s'est bien passée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les accents, ça vient tout seul. Faut plus faire des accents. Il faut arrêter les accents. D'accord, ok, j'arrête les accents. Désolé, j'arrête les accents. Promis. Donc oui, deuxième partie de cette discussion. Oh là là, l'ambiance. Bah ok, vas-y, t'es parti comme ça. Moi, je mets aussi une petite ambiance. Salut, Tout va bien. Je me fais une lumière spéciale. Ok, je crois qu'on s'égare. La dernière fois, on digressait, là, on s'égare. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes très intéressées en disant, et je comprends cette position, de dire, c'est bien beau de critiquer, mais on fait quoi ? Hein ? Alors ouais. Comme si c'était deux choses différentes, en fait. Critiquer, bon, on critique, ok, et faire. Mais en fait, ça va ensemble, quoi. Critiquer et faire va ensemble parce que, encore une fois, si on a une mauvaise analyse, et je prétends pas du tout avoir une bonne analyse, mais juste, il y a des choses qui me semblent essentielles pour moi de dire ou de rappeler. Et si on n'a pas une bonne analyse, on a toutes les chances de se tromper et d'aller au mauvais endroit, en fait, de faire les mauvaises décisions. Et du coup, de faire un truc encore pire que de rien faire. Et donc, voilà pourquoi critiquer, c'est faire. C'est-à-dire que si on pense, et moi, j'ai arrêté de penser ça. Si on pense que on peut sortir du capitalisme grâce à l'État, puisqu'on ignore le fait que État et capitalisme sont liés, sont deux faces d'une même pièce, en fait. Si on ignore ça, alors on va vouloir utiliser l'État pour sortir du capitalisme. Et ça a déjà été testé. Et par exemple, Lénine a déjà essayé, ça a été théorisé par les marxistes-léninistes. Ils ont essayé, et qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Du capitalisme d'État. Et voilà, ça y est, j'ai perdu... Non, ça m'a saoulé ce que tu disais. On peut faire du capitalisme d'État, voilà ce qui va se passer. Et ce sera encore pire. Et donc, juste... La critique est essentielle. Il faut qu'on soit vraiment nickel, pas à 100% intellectuel. Hein. Je dis pas que l'action n'est pas est à dissocier. Et pour moi, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que quand on agit, quand on passe à l'action, c'est une forme de critique en fait, parce que on a prise avec le réel et on se rend compte en fait de ce qui marche et de ce qui marche pas. Et le fait que toi, t'aies essayé de faire une pétition. Bon, alors, on n'a pas encore les résultats, là. Enfin, on commence à en avoir. On va pouvoir en parler.
je pense que c'est un bon sujet pour décanter critique, action et voir peut-être comment, comment on peut faire différemment, comment ça, ben, on arrête de le faire ou pas. Enfin, on va parler de l'affaire du siècle. Tu peux juste pour abonder dans ton sens. Moi, j'ai réalisé que j'avais besoin et je manquais cruellement de temps dans lequel je ne faisais rien et dans lequel je pensais juste à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et vers où ça mène et vers où on va. Et en fait, j'en parle beaucoup avec les copains militants et c'est un besoin qu'on a vraiment identifié. C'est on manque cruellement de temps comme ça. De temps où on fait un pas de côté, où on prend le temps de ne rien faire et où du coup ça fait émerger des nouvelles idées, ça nous donne un esprit critique, ça nous permet d'envisager les choses différemment. C'est absolument nécessaire et d'ailleurs c'est peut-être le truc que j'aurais envie de proposer à tout le monde, c'est prendre du temps, tu vois, genre même mais je dirais aller au bout du truc, genre s'il y a une manif qui est organisée, et ben activement tu vas pas à la manif et pendant tout le temps où tu serais normalement à la manif, tu penses, tu fais ta pause, tu te dis où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on va, comment j'ai envie d'évoluer, vers où j'ai envie de mettre de l'énergie et je pense que ça nous permettrait vraiment d'éviter pas mal d'écueils quoi en fait hein. Bah ouais, c'est un problème du milieu militant et aussi surtout que quand on est dans un milieu militant, on a tendance à s'investir à fond, à pas prendre de temps pour soi parce qu'on se dit que voilà, il faut être là pour les autres, il faut être là parce qu'il y a une urgence, sans questionner même les outils de militantisme qu'on a. Et on peut même arriver à un burn-out, même sur des, j'en connais beaucoup, hein. Des boulots de militants, quoi, et désespéré totalement et tomber en dépression parce qu'en plus on se sent inutile. Enfin bon, c'est dangereux, il faut faire très attention, il faut prendre des temps pour réfléchir, pour lire, pour se remettre en question. Mm-hmm. C'est vraiment important. C'est pour, le principe de la grève, dit-on carrément. Ouais. Bueno, et d'ailleurs effectivement il y a des grèves là étudiantes qui ont pris un peu partout en Europe. Et ça commence apparemment là, vendredi, il devrait commencer à y avoir la première grève étudiante française. Ouais. Et quelqu'un qui parle de ça dans les commentaires d'ailleurs, qui dit bah, c'est le principe de la grève, et il a raison. Ouais. Hein. De forcer les autres aussi à prendre le temps en fait. Les déconnecter, les débrancher. Ouais. Et c'est un truc qu'on ne fait pas assez et que du coup, il faudrait qu'on fasse plus. Tout à fait, monsieur. Avec plaisir. Débranchons-nous. Débranchons les autres. Bueno, alors, un des moyens utilisés dans l'expression politique, très classique, c'est les pétitions. Ouais. Cher, et je sais que tu adores les pétitions. Est-ce que les personnes qui nous regardent, les 70 personnes merveilleuses qui nous regardent, est-ce que vous avez déjà signé des pétitions? Et en fait, les pétitions, moi, je suis assez un passionné de communication non violente. Et les pétitions sont un outil assez fort, tout comme les marches. D'ailleurs, c'était une nuance que je voulais apporter par rapport à notre discussion de la dernière discussion, c'est que les marches, certes, sont orientées dans une demande aux politiques, mais c'est pas du tout la seule fonction des marches, tout comme ce n'est pas la seule fonction des pétitions. Les marches, comme les pétitions et comme énormément des moyens d'action militants, ont pour mission et quelquefois même principale de faire communauté, de se retrouver avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et d'en tirer une énergie, d'en tirer une volonté de continuer, d'en tirer aussi une légitimité de pas se penser fou. Tu sais, pas être genre je suis tout seul à penser ça, là tu te retrouves avec d'autres gens. Mmh. Et en soi, ça c'est un truc qu'il faut à mon avis pas jeter à la poubelle. Je pense que les êtres humains ont vraiment besoin de se reconnaître les uns les autres, de percevoir si oui ou non d'autres partagent leurs inquiétudes sur le climat, par exemple, si oui ou non d'autres partagent la nécessité d'agir, leur envie d'agir, ça doit pas du tout être évidemment le seul et le but, et c'est un peu le problème, c'est que ça devient de plus en plus, l'expression politique est presque le seul moyen que les militants utilisent, et effectivement ça doit pas être le seul, et il faut reconnaître que ça a ces intérêts-là, ça a l'intérêt de se retrouver ensemble. Et c'est d'ailleurs à chaque fois que je parle
démarche pour le climat aux gens, le truc qu'ils me disent, c'est pas bah c'est cool, ça a permis d'atteindre l'objectif, c'est cool, j'ai pu voir que j'étais pas tout seul. Et pas tout seul. Bon, ça, c'est une vision des choses. je pense que ouais, c'est bien, mais c'est triste de limiter la manif à des gens qui se rencontrent. C'est aussi une prise de confiance d'un pouvoir qu'on peut avoir, parce qu'en vrai, il n'y a que les gens nombreux qui peuvent faire une masse, une foule. Et c'est aussi pour ça qu'on les disperse, parce que c'est le moment où elles peuvent prendre conscience que là, en fait, si elles s'y mettent, elles ont une puissance d'agir. Et c'est le moment où le peuple, où la foule, peut devenir un acteur politique, donc sans intermédiaire. Et c'est le lieu de l'action directe, c'est un des lieux de l'action directe, et ouais, et le fait de dire, c'est un peu dommage aussi de dire c'est le moment où on s'est vu, on s'est compté, parce que c'est aussi ce qui s'est passé avec des années de syndicalisme qui saoule un peu tout le monde, qui décourage tout le monde en se disant bah on y va parce qu'on se montre, parce que c'est le traditionnel défilé et tout ça, sans passer à l'action, et que dès qu'il y a des gens qui commencent à passer à l'action, là il y a l'électricité qui naît, parce qu'en fait la manifestation de base, en fait, et émeutière, il y a un risque d'émeutier qui peut basculer sur un soulèvement, qui peut basculer sur une insurrection, qui peut éventuellement déboucher à une révolution. Jusque-là, les États se méfiaient de ça, et du coup, il y avait une espèce de dialogue où la peur de l'insurrection fait que, bah, effectivement, on vous a vu dans la rue, nous, on va changer des trucs, en fait, on a compris, c'est bon. Plus. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de moins en moins. Donc, je comprends que les gens se rendent compte que du vrai visage de l'État, en fait, maintenant qu'il a plus de carottes à offrir, il a plus qu'un bâton. Eh ben, on voit maintenant son vrai visage et tous les mouvements actuels, en fait, depuis. J'ai bien aimé. Quand tu m'avais parlé de ton analyse sur... Parce que c'est vrai que c'est assez choquant de se dire, ok, là, par exemple, par rapport aux gilets jaunes, il y a plus d'arrestations, il y a plus de gens aussi mobilisés, il y a... Tout est plus que mai 68. Plus de dégâts. Mai 68 a permis énormément d'avancées sociales, quelque part. Et c'est assez intéressant le regard que tu avais eu d'expliquer, mais en fait, comment ça se fait que là, il n'y a rien qui a été lâché par le gouvernement. Mais s'il avait à lâcher, il aurait lâché. Hein. S'il avait quelque chose à lâcher, il l'aurait fait, c'est ça. Bah, sûrement, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu peur. Puis les nombres de voitures brûlées, les vitrines cassées, Noël gâché. Mais bon, il n'y a rien à lâcher. Donc, il a lâché quoi? Il a lâché 100 balles et un masque. Et c'est 100 balles... 100 balles que de toute façon il les a pas lâchés, déjà il les prend aux gens à qui il les donne, et en plus de toute façon c'était prévu que ça se fasse. Enfin, bon, voilà. Mais peut-être on va pas rentrer dans les gilets jaunes là, parce que c'est même si c'est c'est un autre débat. C'est va, idée, voilà, débat. C'est aussi une forme de, il y a une partie des gilets jaunes qui est citoyenniste, qui fétichise la politique avec le RIC, mais il y a pas que ça, c'est un mouvement vraiment complexe là, on a carrément pas le temps de s'y mettre, à moins de dire des grosses bêtises. Viens, on parle de l'affaire d'État. L'affaire du siècle. Qu'est-ce que t'en penses? Alors du coup, l'affaire du siècle, tu nous résumes le truc et puis où ça en est. Ok. Donc l'affaire du siècle, c'est un projet qui date il y a plus de 2 ans, auquel moi j'ai pas participé jusque dans les derniers mois, qui a consisté à construire un recours en justice contre l'État français, donc pas contre le gouvernement, mais contre l'institution au sein duquel il y a le gouvernement, pour inaction, action insuffisante ou tardive par rapport au dérèglement climatique. L'argument est effectivement de dire que l'État a des responsabilités vis-à-vis de ses citoyens, il devrait agir, il aurait dû agir, et il ne l'a pas fait, donc on peut saisir la justice pour le faire. Il n'y a pas de précédent en France là-dessus, donc l'idée est de créer un précédent, de créer de la jurisprudence, de faire statuer des juges
sur cette question de oui ou non le gouvernement, oui ou non l'État doit agir par rapport au dérèglement climatique. Et donc, ce truc-là a été construit par une cinquantaine d'avocats, je pense. Là, il y a une équipe de 20 avocats, avec toutes les carences en fait de l'État qui dit voilà ce que l'État aurait dû faire, voilà ce qu'il a pas fait, voilà ce que l'État aurait dû faire, voilà ce qu'il a pas fait, pour tout un grand ensemble de trucs. C'est déposé au tribunal administratif par des ONG qui ont le statut pour déposer le recours, parce que dans le droit français, c'est pas possible pour les citoyens de déposer ce type de recours directement. Maintenant, ce à quoi j'ai participé, c'est la campagne. Plateforme web que plein de gens ont pu voir, dans lequel les gens laissaient leur nom, prénom et email en disant « je soutiens le recours, je soutiens l'affaire du siècle, j'attaque l'État en justice ». Du coup, à ce niveau-là, c'était assez clair dans la vidéo. Les citoyens, les gens qui ont signé sur le site ne font pas partie du recours. C'est pas eux qui font la procédure juridique. Maintenant, s'il y a eu ce système-là qui a été mis en place dans lequel les gens pouvaient signer et montrer, etc., c'était pour donner du poids politique, créer un événement politique autour du dépôt de ce recours. Pourquoi ? Parce que les procédures en justice sont extrêmement longues. Il y a de bonnes chances pour que ce procédure, bah là, rien que la procédure qui est lancée maintenant, elle peut durer jusqu'à 3 ans. Donc, l'idée était de créer un événement, de créer un moment, une situation dans laquelle les gens pouvaient dire « Moi, je considère que l'État français ne fait pas ce qui doit être fait. » Et du coup, pour signifier ce positionnement-là et pouvoir après ça l'utiliser dans des rapports de force vis-à-vis du gouvernement actuel, il y a eu cette mise en place de la pétition. C'est une pétition parce que du coup, c'est tu signes, qui vient accompagner le recours. C'est un peu ça la différence avec les pétitions habituelles, c'est que normalement tu dis juste je suis pour ça ou je demande ça, et là c'est dire ce que je suis pour et ce que je demande, c'est pas que l'État agisse, c'est la procédure qui vise à condamner l'État en justice. Mais bon, mais là, du coup, non, c'est super intéressant ce cas-là. Ça va échouer. Ouais. Alors, attends, c'est super intéressant ce cas-là parce que d'abord, tu vas casser l'ambiance. Mais non, ça veut dire utiliser. Mais non, mais c'est bien, mais c'est une bonne chose. Mais ouais, utiliser l'État pour attaquer l'État, vu que la justice c'est aussi l'État. Voilà. Et autre chose qui est intéressante, c'est que c'est la plus grande pétition de l'histoire de France. Donc, tant mieux, on pourrait s'attendre que la plus grande pétition de l'histoire de France ait un impact énorme. J'ai envie de raconter la petite histoire, c'est que… Mais attends, excuse-moi, même si elle était signée par je ne sais pas combien de personnes, on a eu la plus grande débâcle aussi avec Nicolas Hulot. On aurait pu s'attendre qu'après Nicolas Hulot qui démissionne en disant « Moi, de ma place de ministre, de transition écologique, même avec la meilleure volonté du monde, je peux pas, parce qu'en fait, il y a les lobbies, parce que le système, il le dit pas forcément comme ça, mais concrètement, à sa place, il peut pas faire plus que ce qu'il fait. Et il le dit honnêtement, et il est au bord du gouffre, et il démissionne. Rien que ça, pas besoin de faire une pétition avec 2 millions de personnes, 3 millions, 5 millions, que sais-je, qui n'aboutit à rien, pour se rendre compte que, en fait, c'est pas par ces institutions étatiques qu'on va pouvoir sortir du problème. Je pense qu'on peut faire des recours juridiques et ralentir un peu la catastrophe, mais ce sera jamais suffisant en fait pour sortir du capitalisme, tout simplement. Absolument. Et en fait, il faut être assez clair aussi là-dedans, et je pense que c'est d'accord avec moi, il n'y a pas d'action unique qui sera suffisante pour sortir du capitalisme. Non, pas une action unique, mais pas une action qui légitime le système, qui le fait continuer. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de contribuer à l'affaire du siècle. C'est que c'était effectivement de un moyen de marquer pour 2 millions de personnes qui se sont reconnues dedans par rapport aux 65 millions qui est le reste de la population, leur désaccord,
leur envie de condamner l'État. C'était pas juste de dire c'était pas un truc qui disait je demande que l'État fasse plus, c'était vraiment de dire je condamne l'État. Je suis contre ce qu'est en train de faire l'État en mon nom. Et c'est ça qui m'a donné envie d'y participer parce que je trouve que c'est très rare dans notre société en France d'avoir l'occasion d'un espèce de dialogue d'une partie de la société à une autre de pouvoir dire voilà en fait il y a vraiment une partie de cette société qui veut condamner l'État. Et c'était alors, d'autant plus intéressant que c'était aussi dans ce contexte de Gilets jaunes qui se positionnent actuellement contre le gouvernement, contre Macron. Et pas moi, j'ai un gros problème avec ça, Vincent, c'est que les gens se positionnent pas à 100% contre l'État, en fait. Le truc, c'est que les gens se disent que par les voies de l'État, donc le tribunal administratif, on peut régler les problèmes de l'État. Donc en fait, je comprends bien, j'aimerais bien moi aussi croire que c'est une pétition anarchiste et qu'avec cette pétition, d'un coup, les gens ils sont complètement anti-étatistes et de toute façon, ils n'y croient plus. Mais il va falloir le dire. Il va falloir le dire, écoutez, parce qu'à mon avis, dans ces 2 millions de personnes, il y a énormément de personnes qui y croient, qui se disent que, en plus, la pétition dit ça marchait ailleurs, alors que ça aussi, c'est très discutable, les exemples où ça a marché. Et que ça, même si ça marchait, même si dans le sens où ça faisait ce que ça dit, mais c'est pas possible, de toute façon, ça ne réglerait pas le problème du capitalisme et du coup de l'effondrement qui nous attend à cause du capitalisme. Et bien sûr. La prise de conscience ne va pas régler le capitalisme. Ça, c'est sûr. Elle peut être très dangereuse si la prise de conscience, encore une fois, c'est de se dire la solution va se régler grâce à un tribunal. Parce qu'encore une fois, on perd du temps de se dire on va attendre la réponse du tribunal, on va attendre. Ah, ils nous ont bien pris pour des truffes. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors attends, on va aller. Et tu m'as dit, on va aller parce que je peux te dire le Conseil de l'État. Évidemment que le Conseil d'État, ils vont dire non parce que le Conseil de l'État et le gouvernement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'était tout des j'ai le CV là des gens qui sont vice-présidents du Conseil d'État. Ils étaient tous conseillers de ministre, ils ont tous fait l'ENA, ils viennent tous du même endroit, ils se connaissent tous, ils sont tous du même milieu et il y a aucune raison qu'ils jugent des gens qui leur ressemblent tellement pour inaction en fait, pour pas respecter leurs engagements. Eux, ils vont se protéger parce que ils vont pas mordre la main qui les nourrit. Et du coup, on va faire quoi? Alors après, on va aller à l'Europe, on va aller au Conseil des droits de l'homme. Et tout ça, c'est encore du temps perdu à pas péter ce système. Alors, justement, je pense que c'est un des commentaires qui est là, c'est que péter ce système, mettre fin au capitalisme avec des actions qui réellement contribuent directement à mettre fin au capitalisme, c'est pas évident, première chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait. On peut. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a un chemin pour que des gens en viennent à avoir envie de péter le capitalisme, ou alors est-ce que c'est automatique? Ils se réveillent un matin et ils disent putain, je dois péter le capitalisme. Non, et c'est pour ça qu'il faut pas faire des pétitions. On leur fait croire que ça va se régler dans un tribunal. Très bien. Mais je suis d'accord, il faut de la propagande, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse des vidéos, il faut qu'on discute. Mais il faut aussi dire, écoutez, là en fait, si ça marche pas, c'est pas parce qu'on n'était pas assez de signataires. C'est parce que ils peuvent pas, parce que c'est pas possible. Ok, moi, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas la croyance que ce recours en justice va amener à ce que le gouvernement français abandonne le capitalisme. Par contre, je suis sensible au récit, comme j'ai dit. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie et de trouver un sens aussi à cette période dans laquelle on est. Si on ne se prend que les faits et qu'on les assemble pas en un récit de qui je suis, là où je suis, par rapport au reste du monde, comme tu l'as dit, on est totalement déboussolé, impuissant, perdu et en fait, on peut être totalement paralysé hyper rapidement. Moi, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer autour de l'affaire du siècle, à vrai dire. Je trouve qu'on apprend énormément de choses. Moi-même, j'ai appris énormément de choses. Pour la petite histoire, quand on a lancé la pétition, je me sentais assez confiant sur le fait qu'on arriverait à avoir 1 million de signatures. C'était pas tout le monde qui croyait, première chose. Mais ce qui était très intéressant, c'est que
Moi, j'ai demandé, tu vois, un peu naïvement aussi, comme on a pu se le dire, combien de personnes il faut pour que ça bouge? Tu vois, genre, votre analyse politique, c'est combien de personnes il faut pour que ça bouge? Et C'est pas le nombre, hein. Ouais. on m'a répondu, mais attends, mais en fait, c'est logique qu'on pense en nombre parce qu'on est aussi éduqué dans la pensée capitaliste que quand tu as un gros nombre, tu pèses, tu vois? C'est aussi ça, c'est pour ça qu'on fait aussi attention au nombre. Et du coup, on m'a dit, bon, bah, d'ailleurs, c'est Cyril Lion qui a dit ça. Entre 2 et 3 millions, ça change quelque chose. Entre 2 et 3 millions, il se passe quelque chose. Et du coup, ce qui était super, c'est que Ah ouais, on a atteint, on a, ça sachant, tourne ah oui, plus, ouais, tellement il se passe des trucs, ouais. les gens, ils savent peut-être pas que la plus grande pétition avant, c'était celle de la loi travail, qui avait 1,3 million de signatures, ou un truc comme ça. Et que, effectivement, le droit du travail a quand même été changé. Hein. Ça, c'est un truc qui s'est passé. Et là, ce qui était marrant, c'est que du coup, on a rapidement, genre presque en 24 heures ou 48 heures, atteint le million de signatures. Et là, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Parce que moi, j'étais plus dans une position de communiquer, d'essayer de soutenir le truc. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Et on m'a dit, bah, faut qu'on aille à 2 millions. OK. Alors, on va à 2 millions. Et on va à 2 millions. Et on atteint les 2 millions après pas mal de temps. Et Ouais. du coup, maintenant, ça y est, là, on est dans la tranche des 2 à 3 millions où normalement tout va changer. Et ce qui est magnifique, et c'est là où il faut qu'on apprenne quelque chose et que c'est parfaitement cohérent par rapport à ce que j'ai pu voir à la COP, c'est qu'on a atteint 2 millions et ce qu'on a eu, c'est une petite tape sur l'épaule qui nous dit bravo, pour moi aussi, c'est important. Et c'est De Rugy qui a fait ça. Qui a fait une petite vidéo en disant mais c'est super, mais le climat c'est vraiment génial, participez au grand débat. Et du coup évidemment là on a dit mais en fait on veut pas participer au grand débat, hein. On te condamne parce que tu fais pas ce que tu dois faire. Et là la nouvelle donc ça c'était un peu au lancement de la vidéo. Et là et c'est effectivement pour ça que vient le grand hashtag je suis une truffe. C'est que De Rugy, ministre de l'Environnement, a dit a invité les 100 personnes les plus réactives sur Internet à venir lui parler pour Ouais, mais j'ai lui vu ça. partager leurs préoccupations écologiques. Vous qui êtes signataire de l'affaire du siècle, venez me parler dans un entretien exclusif. Les 100 premières personnes qui s'inscrivent, vous aurez le droit de me parler, de me partager. Et j'allais dire, tu t'attendais à quoi? Tu te plains que l'État, que le ministre te dise, venez dans un espace que je contrôle, mais c'est toi qui t'engouffres et qui engouffre 2 millions de personnes dans un espace que l'État contrôle, puisque tu vas dans ses institutions, tu vas t'asseoir dans son tribunal, alors qu'en vrai, la rue, la grève, ça, il pourra jamais contrôler. Alors si, la rue, il la contrôle avec des caméras, avec des flics, et à certains moments, on peut dégager un peu de liberté. Des blocages, on peut les faire. En fait, maintenant, de toute façon, Emma Goldman, elle disait un truc. Si ça changeait quoi que ce soit, ce serait déjà interdit. Donc maintenant, on voit que la légalité, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on dit sortir du cadre, quand tu as fait un appel à déborder, maintenant, déborder, tout ce qu'on veut, c'est plus des appels à un légalisme, à l'institutionnalisme, au citoyennisme. Déborder, ça veut dire déborder de la loi, concrètement, et se faire confiance à nous-mêmes, se dire que on a compris, en fait, on va essayer de créer un monde, on va essayer de créer un moment où on n'aura plus ces mêmes contraintes et là on va pouvoir discuter parce que dans les conditions qu'on a maintenant, on ne peut pas, on n'a pas la liberté de penser. Il y en a encore, ils sont tous connectés, tous les jours ils vont travailler, après ils vont dans des loisirs surveillés, des loisirs bien standardisés. Ils peuvent pas penser, il faut créer des conditions révolutionnaires où tout le monde pense et pour ça il ne faut pas 2 millions de personnes. Et on n'est pas obligé d'être 2 millions à faire des trucs illégaux. Des personnes déterminées, confiantes, confiantes. De se faire confiance mutuellement à déborder des cadres. Et les cadres, ça se fera pas par les institutions. Ça se fera pas par les outils que l'État nous donne parce qu'il ne nous donnera jamais des outils pour le mettre à bas. Ça se fera par qu'on soit pour la violence ou pour la non-violence. L'idée n'est pas de choisir entre l'un et l'autre et de bannir l'autre parce qu'en général, c'est les gens de la non-violence qui bannissent la violence en disant elle sert à rien. Les gens qui utilisent la violence, et d'ailleurs le terme est complètement flou en fait, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est pas violent. Les gens qui utilisent la violence en général disent toutes les techniques sont possibles, toutes. C'est juste que si on se limite à qu'une, c'est con parce qu'en fait parfois ça marche, mais parfois pas du tout. Et
Voilà, les changements se sont faits quand les gens ont débordé des cadres légaux et ont fait des choses qu'ils n'avaient pas forcément intellectualisées. Et les partis qui intellectualisent, les groupes intellectuels, ils suivent, ils accompagnent ces mouvements. Mais en vrai, souvent, c'est très brouillon et c'est l'émeute. Moi, je peux pas non plus appeler à l'insurrection parce que ce serait mettre en péril les institutions de la République et on sait que c'est passible de 5 ans de prison. Mais je pense que il y avait un super article de la Constitution française qui a été effacé depuis, qui est que l'insurrection est un droit sacré du peuple quand l'État viole les droits, en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc ce serait légitime que le peuple devienne un acteur politique. Ce serait enfin légitime. Voilà. Ok. Je crois pas qu'on soit allé totalement au bout de l'apprentissage de l'affaire du siècle et de la réaction de l'État. De toute façon, il va y avoir de nouvelles péripéties. Et par contre, ce qui est super important pour moi, c'est que on apprenne, qu'on soit pas, qu'on voit, qu'on suive attentivement ce qui se passe. Et moi, je vais en parler tout le temps sur ce que je dans les stories et les trucs et tout. Mais que qu'on ne considère pas ça comme un bug dans la matrice, tu vois, comme un truc où mais c'est bizarre, il aurait dû réagir et il réagit pas comme on devrait, tu vois. Et en fait, c'est un truc qui a beaucoup lieu dans différents mouvements, c'est quand on a un mode d'action, on a construit, on a rendu logique dans notre pensée de quels sont les leviers, qu'est-ce qui permet de faire changer tel ou tel truc. Mmh. Typiquement, l'analyse par rapport à l'affaire du siècle, c'est se dire, bon, ce sont des élus, ils ont envie d'être réélus, ils ont pas envie de se mettre une partie de la population à dos. Donc, si on leur montre qu'on est plein à vouloir les condamner, normalement, ils vont réagir très, très, très vite parce qu'ils ont pas envie de perdre leur électorat. Surtout avec les élections européennes qui arrivent, machin. Et en fait, cette analyse-là, l'affaire du siècle, elle nous permet de la questionner. Elle nous permet de revoir notre copie et d'envisager du coup qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Moi, c'est vrai que je me nourris en tout cas beaucoup de ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est une source d'éducation populaire phénoménale dont on n'aurait pas pu rêver mieux. Encore faut-il effectivement, et tu fais bien de le pointer, qu'on communique activement sur ce qu'on comprend, qu'on communique activement sur. Je compte sur toi, je ne lâcherai pas. Hein. Ben voilà, mais moi non plus, je sais pas. Il y a Franck qui dit que l'article de l'insurrection a jamais été dans la Constitution. Il a raison de préciser, c'est vrai. Ok. Il y a pas mal de commentaires, c'est cool. Ouais. Alors, par contre, évidemment, les gens ont raison, c'est relou de devoir être sur son portable, machin et tout, et en plus, c'est un format qui est relou. Ouais. La prochaine fois, c'est le problème, c'est que on va peut-être perdre la vidéo quand ce sera fini. C'est que tout à l'heure, on n'est pas arrivé à la télécharger. Ouais, effectivement. Mais moi, enfin, je veux dire, si les gens ont envie de savoir le fond de ma pensée, j'ai eu la chance de le partager. Non, mais j'ai déjà eu la chance de le partager en fait, parce que du coup, dans la temporalité, j'ai travaillé sur la vidéo de l'affaire du siècle et sa diffusion, et après. J'ai fait les vœux de Mediapart et y a clairement quelque chose qui s'est passé là pour moi qui est important et que j'ai pris du temps de partager, qui était de se dire effectivement réveillons-nous à ce niveau-là. Si on était en démocratie, si c'était important pour le gouvernement ce que ses citoyens pouvaient penser et exiger à l'instant où ils le pensent et ils l'exigent, on n'aurait pas de réponse, tu vois. C'était très très fort en fait. Surtout dans un système où ce gouvernement est particulièrement son point fort, c'est la com. Là, on est en plein dans un apprentissage hyper important de se dire, donc en fait, on n'est pas en démocratie. On n'est plus. Je sais pas si on n'est plus. À mon avis, on n'est pas en démocratie. Je dirais pas si c'est plus ou c'est avant. C'est un terme vraiment tellement flou. Tout le monde y met ce qu'il veut. Voilà. Mais en gros, juste si je dois le dire dans des termes plus simples, c'est nous avons en face de nous un gouvernement qui ne cédera pas à nos demandes, même les plus évidentes comme celle d'avoir un droit à vivre sur cette planète et d'éviter
de défoncer notre avenir, il n'y répondra pas. Et sur cette base-là, effectivement, il faut faire des nouveaux choix et donc privilégier l'action politique à l'expression politique, vu qu'on vient d'apprendre qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que l'expression politique aboutisse à quelque chose. Si l'État pouvait te tuer, il l'aurait fait s'il pouvait se passer de toi depuis longtemps, là. C'est juste que, malheureusement, qui va travailler, qui va faire la plus-value, là? Qui va faire le travail si on n'est plus vivant? Donc, quand même, il nous protège, bah, il nous protège quand il y a des attaques terroristes, quand il y a des trucs qui peuvent, tout ce qui peut nuire au bon rendement de la population, en fait. C'est pour ça qu'il nous soigne, pour pas qu'on meure. Mais globalement, ça s'arrête là, quoi. Est-ce que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est entière? Je suis pas sûr. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. C'est pas survivre, c'est chouette. Mais encore une fois, il faut qu'on se rappelle que nous, on est plutôt privilégiés, occidentaux, blancs, hommes, et que pour beaucoup de personnes, la vie est beaucoup moins facile que pour nous. Ouais. Et que eux, ils demandent pas du tout à continuer de vivre dans ces conditions-là, en fait. Que quand on vit dans des conditions de domination et d'exploitation et de racisme, en fait, juste cette vie, on n'en veut pas, en fait. Et nous, on est là à essayer de sauvegarder ça avec des pétitions. En vrai, c'est tout le système qu'il faut mettre en l'air parce qu'il est invivable, il est intenable pour des millions de personnes. Et 20 millions de personnes meurent inutilement à cause du capitalisme chaque année sur la planète pour des maladies qu'on sait soigner mais que c'est pas rentable de les soigner. Pour des problèmes de distribution de nourriture, tout ça, juste tout ça est intolérable. Cette société est criminelle. Il faut y mettre un terme. Et je propose que on agisse en attendant la fin de la pétition. Mais dès que l'aventure de la pétition arrive au bout, que les personnalités qui ont participé, qu'elles utilisent leur aura pour dire en fait, pour dire pourquoi ça marche pas, mais pas en disant que c'est pas assez nombreux, mais juste que le mode d'action n'est pas le bon. Et s'il vous plaît, et toi, je sais que t'es sincère et tout, je connais pas du tout les autres. Et ce serait trop cool, quoi, que les gens se remettent en question en essayant de sortir de ce citoyennisme. Ah, parce que c'est dangereux. Mais c'est ça perdre du temps. Du temps. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus et clairement, c'est une priorité de ouf. Et les trucs sur lesquels je bosse, c'est effectivement une vidéo qui donnerait ce message-là et aussi une vidéo qui irait apporter un espèce de nouveau logiciel militant sur la base de ces apprentissages-là, sur la base de cette prise de conscience de qui sont nos adversaires aujourd'hui et à quoi ils réagissent ou pas. On a appris plein de trucs là ces derniers mois, ces dernières années et on s'est pas nécessairement actualisé et du coup ça c'est un des trucs que j'ai envie de contribuer. C'est des très bonnes réflexions, mais encore une fois, si c'est l'objectif de soit devenir conseiller du prince, soit de s'emparer du pouvoir, mais pour moi, c'est des solutions auxquelles je ne crois pas du tout. Ouais. Voilà. Ouais, mais je l'ai bien compris. Ouais. J'ai bien compris. Et donc, nous y voilà. Municipalisme libertaire. Alors, ouais, je vois des personnes, donc peut-être que c'est le moment de donner des références de lecture. Alors, municipalisme libertaire, très bonne idée, même si ça reste critiquable, parce que, encore une fois, c'est pas. Ça ne remet pas fondamentalement en question le capitalisme, mais c'est une très bonne approche. Un truc qu'on avait annoncé, le lien entre anarchie et écologie. C'est vrai qu'en fait, il y a une partie de l'écologie qui est aveugle au rapport de domination, que ce soit de l'homme sur la nature ou même des hommes entre eux, en fait, des humains entre eux, hommes, femmes, les races, etc. Et puis, il y a une partie de l'anarchisme ancienne, classique, qui n'avait pas forcément l'écologie dans son logiciel. Et une des personnes célèbres pour ça, pour avoir mis l'écologie dans le débat anarchiste, c'est Murray Bookchin. Entre autres, hein, moi c'est celui que je connais, vite fait, et il y en a sûrement d'autres. Un point de convergence entre les deux, en fait, qui fait qu'aujourd'hui ça paraît indissociable. C'est-à-dire que pour moi, ça me paraît indissociable d'avoir un point de vue anarchiste sur l'écologie, comme ça me paraît indissociable d'avoir un point de vue écolo sur l'anarchisme, en fait. Mais parce que l'anarchie est tellement sensible, a une tendance à être sensible aux luttes, que ce soit féministes, antiracistes, même si les militants, il y a à dire, on peut critiquer tout le temps, mais de base, en fait, pour moi, ce point de convergence, en fait, il est idéologiquement, mentalement, il est super,
Et il donne des clés, en fait. Je vous conseille vraiment de plonger dans l'écologie sociale et radicale de Bookchin. Il y a aussi, on peut regarder, oublier les douches courtes, de comment ça s'appelle, c'est Deep Green Resistance. Ouais. Pour ceux qui l'ont, celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. On a encore 10 minutes, là, je pense. J'en sais rien. Il n'y a pas de critique du mode de production. En France, en tout cas, c'est mort. Bah oui, oui. Lutte intersectionnelle. Alors, attends, je vais regarder un peu les commentaires. Ouais. C'est pour ça que les Verts perdent les élections. Crachas dit oui, mais oui et non. Parce qu'à un moment, quand ils les ont gagnés, ils ont été bien embêtés de gouverner. C'est-à-dire quand tu gouvernes, tu peux plus militer. Et du coup, tu es dans ton cul entre deux chaises à te dire mais je fais quoi du pouvoir? Parce qu'en fait, moi, j'étais un citoyenniste et en fait, j'étais là pour dire que le gouvernement, il fait pas ce qu'il doit, ce qu'il est censé faire, même si ça reste une valeur hypothétique. En fait, c'est écrit nulle part. Que l'intérêt général, l'intérêt général, quand il y a des dominants et des dominés, c'est toujours l'intérêt des dominants. Donc concrètement, en fait, il fait ce qu'il doit faire, l'État. Et quand les Verts gagnent les élections, quand ils se retrouvent à siéger au pouvoir, ils font la même chose, hein, plus ou moins, ou juste ils retardent l'échéance. Et ça devient compliqué. Donc la logique maintenant des citoyennistes, c'est plutôt d'attirer l'attention sur eux et d'être dans une espèce de lobbying, c'est-à-dire que conseiller le prince, mais jamais accéder au pouvoir, ouais. Parce que sinon, effectivement, on serait critiquable. C'est clair. Et en fait, je veux dire, si on imagine, c'est justement pour ça qu'il faut créer des espaces dans lesquels on fait des pas de côté, dans lesquels on regarde les choses avec un peu de distance. Si on imagine une personne vraiment radicale, écologiste, mais vraiment ancrée, quoi, en mode décroissant de ouf, anticapitaliste, radical, qui arrive au pouvoir. En fait, c'est ça le truc, c'est que le fonctionnement des structures, le fonctionnement de cette structure qui est l'État, va d'abord, je pense qu'il n'y arrivera pas au pouvoir, mais de deux, même s'il y arrive, et c'est ça qui est la réflexion importante à avoir, il ne pourra pas démanteler la structure dans laquelle il est. Ben non, évidemment. Évidemment. Il pourra pas. Faire s'effondrer l'économie qui soutient l'État même. Qui soutient lui-même, son salaire, oui. Son bâtiment, son armée, sa police. Il a besoin de tout ça. Il a besoin que les gens soient au boulot. Et c'est pour ça d'ailleurs que le blocage bloqué est un réflexe essentiel. Et l'insurrection va être le réflexe essentiel des prochaines années. Parce qu'en fait, en bloquant, on asphyxie tout le pouvoir. Il ne tient que par ça. Il ne tient que quand on travaille. Il ne tient que par les réseaux. Si on bloque, c'était quoi ce geste? C'était la roue. C'est quand on est dans la roue. La roue, ouais. Si on bloque, si on arrête de travailler, avec quoi? Avec quel impôt, en fait? S'il n'y a pas d'impôt, avec quel impôt il va payer la police qui nous tape dessus? C'est juste plus possible. En fait, c'est-à-dire que non seulement ça va le mettre en danger et que là, il va vouloir lâcher plus que 100 balles et 1 mars, mais on ne va pas se contenter de ça. On ne va pas se contenter de 100 balles à Mars, on veut tout. On veut tout. Et ensuite, pour se relever les manches et se mettre au boulot, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, pas juste baisser les degrés ou arrêter le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de conneries à régler, que malheureusement, il va falloir qu'on le fasse. Mais pour ça, y a un truc qui, à mon avis, c'est bien si on dit un petit mot là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais un petit mot il nous reste 15 minutes, sur le RIC. Parce que je trouve que par rapport au citoyennisme, c'est hyper intéressant d'aller explorer ce truc parce que effectivement, le RIC. Ouais, c'est un des trucs avec lequel on a pas mal discuté avec le père Usul qui habite aussi à Lyon, c'est de se dire qu'en fait, si ils donnent le RIC, s'ils acceptent le RIC, comme c'est l'institution qu'est l'État qui va le faire acter, il aura tout temps et tout moyen soit de ralentir son application. Enfin, ça, c'est clairement un des trucs qu'il va faire. Donc, en fait, typiquement, c'est ce dont on a parlé avant, c'est que là, on va rentrer dans le temps politique de l'institution et donc on va perdre la maîtrise de ce temps. Et de deux, et il aura parfaitement les moyens de le lessiver de son sens et de son caractère que certains espèrent peut-être insurrectionnel, enfin, que certains espèrent radicalement transformateur. C'est tout, c'est pas surréactionnel, ouais. C'est instituer le pouvoir. Ouais.
Mais c'est pareil. En fait, moi, je suis pas contre que les gens essayent ça tant qu'on tire des apprentissages. Et comme par exemple, il y a plein de gens qui disent, mais c'est le dernier espoir dans cette démocratie. Ben du coup, allez-y, faites-le et réalisez qu'on t'empêche n'est plus pas en les gens de le démocratie. faire. Mais juste, Voilà. j'ai envie de casser l'ambiance en disant, c'est trop tard pour ces bêtises. Arrêtez. Arrêtez de demander à Rick. Parce que de toute façon, le vrai Rick, déjà, s'il était en place, gouverné, il n'y a qu'une façon de gouverner, c'est développer l'économie. Et donc, il serait amené à faire la même chose. Et de toute façon, pour arriver à mettre en place le Rick de vos rêves, il faudra des luttes interminables. Et que par ces luttes, on peut avoir tellement mieux qu'un Rick. On peut abolir la propriété privée des moyens de production, on peut abolir l'État, on peut abolir le capitalisme, on peut faire tellement de trucs par les luttes. Et juste pourquoi on ferait un RIC avec nos luttes, quoi? Ça rime à rien, alors que concrètement, on peut sortir du travail, en fait. On peut changer la vie, on peut faire une réelle écologie sociale, pas créer une institution dans laquelle on essaiera de pouvoir voter. Non, mais ça me déprime. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est Évidemment, on on est essaye bien de plus con casser d'avoir fait les. des choses. Après, c'est cool qu'il y ait des mouvements, mais le truc, c'est que si il y a une urgence et que si on va dans la mauvaise direction, on est des truffes. On est des truffes, comme de même que tu dis. Il nous prend pas pour des truffes, l'État. On est des truffes. On agit comme des truffes. Voilà. Et quand on arrêtera d'agir comme des truffes, il y a déjà des gens. Hein. Le truc, c'est qu'il y a déjà des gens. Mais si tous les gens qui étaient à fond dans le citoyennisme pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas d'une raison cynique, mais pour les bonnes raisons, en y croyant sincèrement, s'ils pouvaient faire le deuil de cette illusion, le deuil de cette croyance, avec toutes les bonnes volontés possibles, et se lancer dans la lutte effective et une lutte qui a plus de débouchés, et ben là, on n'aurait pas besoin d'être des millions, t'inquiète pas. Et comme quelqu'un disait, comment on sort du capitalisme dans un seul pays? On ne sort pas du capitalisme dans un seul pays. C'est international. Le monde, de toute façon, est globalisé, les problèmes sont globalisés, les institutions sont globalisées, c'est-à-dire que même si la France, elle décide de revenir, de faire un procès, je sais pas quoi, maintenant, il y a des États, avec le TAFTA, le CETA, je sais plus, il y a 300, combien, il y a 300 accords, ou 500 accords internationaux des espèces de cours de justice de multinationales, d'entreprises, qui peuvent juger des États, en fait. Et du coup, rien que la menace de ça qui pèse sur les États fait qu'ils ne vont pas faire certaines lois. Parce qu'en fait, ils ont la menace d'une procédure judiciaire avec une multinationale. Pour certains États, c'est juste impossible. Pour d'autres, ils vont le perdre. Des fois, ils vont gagner. Mais à quel coût? L'Allemagne doit payer 1 milliard, plus d'un milliard d'euros pour être sortie du nucléaire, pour avoir pris cette décision. Et c'est dingue. Et en plus, au final, c'est les gens qui payent. Quand c'est l'État qui paye, c'est les gens. Donc c'est terrible. Et ça, c'est une fuite institutionnelle qui est mortifère tout autant que le capitalisme. Ce que je peux te dire, c'est que on n'en sortira pas, quoi, avec les traités de libre-échange de maintenant internationaux. De toute façon, le capitalisme est globalisé. Donc, s'ils l'ont mondialisé, la révolution doit être mondialisée. Et les révolutionnaires l'ont très bien compris. La révolution ou l'effondrement? Autre débat, et ben on vous remercie d'avoir été là. C'était cool. Ouais. Et si c'est un format qui vous a plu, bah dites-le nous. Écrivez-nous des messages peut-être après ça, comme ça on est sûr de bien les Ouais. recevoir. Et j'ai vu deux, trois personnes qui ont dit que, enfin une personne à vrai dire, qui a dit que ça lui avait servi, ouvert un imaginaire. C'est trop cool. Quelqu'un qui dit que c'est désespérant, tant mieux, il faut pas avoir d'espoir, il faut agir. En provoquant des situations révolutionnaires. Et quelqu'un dit aussi, il faut attendre une météorite. Non, il faut surtout pas vouloir mourir parce qu'on a un pouvoir, on peut faire des choses. Ouais. Mourir, Après. c'est au cas où on pourrait pas changer le système. Or, on peut. C'est d'ailleurs ça la différence. L'espoir, c'est que les choses se règlent par miracle, et je pense que c'est un peu une des définitions du citoyennisme. Et l'espoir actif, selon quoi moi je crois, c'est se donner les moyens de réaliser ce que tu souhaites voir à venir. C'est par exemple pas espérer que ton copain ou ta copine revienne, mais activement aller la chercher, aller voilà. Ou pas forcément espérer que toi, avec ce que tu vas faire, ça va fonctionner, dans le sens où c'est sûr, et j'ai un espoir, mais dans le sens où je dois le faire, je le fais. Concrètement, c'est la meilleure des choses à faire. Je ne sais pas si les autres vont s'y mettre ou pas. C'est leur histoire, mais moi, je le fais. Parce que c'est ce que je dois faire.
et que c'est rationnel, hein. Il faut être rationnel. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de faire une critique rationnelle et on en reparlera de ça de toute façon. On en reparlera parce que c'est on continuera d'en parler. Cette pétition, de toute façon, elle est lancée. On en reparlera à chaque étape, à chaque nouvelle étape. Grave. Grave. Grave, mon gars. Putain, grave. Et puis, plein de belles choses à suivre. Et aller voir la superbe série de Lorenzo. J'ai déjà pu lire le script du prochain épisode. Sortira dans un bout de temps quand même, non? Dans peut-être un mois. Dans un mois, je pense. Ouais. Mais toujours à la pointe. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à Lorenzo. Abonnez-vous à tout. À tout. Et, surtout à l'action, au boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire. Et pétition ou pas pétition, que vous y croyez ou pas, en tout cas, ayez une diversité des techniques. Restez pas forcément fermés que dans un milieu militant. N'allez pas au burn-out. Lisez. Faites attention à vos sources d'informations. Ne regardez plus les médias, les grands médias, ou alors avec beaucoup de méfiance. Libérez du temps. C'est comme la pub. C'est comme la pub. Même si on sait que ça nous influence et qu'on se dit que ça ne m'influence pas, ça nous influence quand même. Faire très attention à tout ça. Et on. Libérez du temps, moi, je disais. Merci à vous. Essayez de réduire son mode de vie pour avoir besoin de moins en moins d'argent, de manière à libérer de plus en plus de temps, de manière à laisser de l'espace pour ne pas travailler, de l'énergie et pour faire des trucs. Oui. Oui. Merci à tout le monde. Merci à toi, Vincent. Merci. Salut tout le monde. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.